Salut toi, bienvenue sur Jeune Génération Écologique aujourd'hui pour ce 13e jour du calendrier de l'Avent écolo. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Les amis, ça ferme maintenant 24h. Bon, je rigole. La dernière vidéo c'était hier, donc j'espère que vous allez bien depuis hier. Voilà, moi je vais très bien. J'ai la pêche comme à mon habitude. Et aujourd'hui, je voulais vous donner mes petits tips, mes petites éco-habitudes du quotidien d'ado écolo. Donc on aura une autre deuxième vidéo qui sera sur à l'internat. Donc là, je suis chez moi et on verra à l'internat. Et bien écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre la caméra à la main et qu'on est parti. Alors, du coup, dans ma chambre actuellement, c'est le grand bazar, mais les petits tips écolo. Alors déjà, dans ma chambre, j'ai plein de plantes. Enfin, plein. J'ai beaucoup de plantes grasses et de cactus, donc voilà. Alors déjà, pour psychologiquement, c'est très très bien d'avoir de la verdure dans sa chambre. Et ensuite, alors je sais pas si les mines le font, mais vous savez, ça dépollue la terre. Écolo Noël, je n'ai pas de calendrier de l'Avent en chocolat, j'ai juste un calendrier de l'Avent en écolo du coup. Voilà, que vous voyez en plus dans ma vidéo. Alors, tips écolo. La gourde, très important, c'est... Je n'ai pas la bouteille en plastique. Voilà, ensuite, déodorant naturel, je vais bientôt passer au déodorant solide. En ce moment, on est dans la période, vous le savez... des masques. Alors, je vous montre. J'ai uniquement des masques réutilisables. C'est-à-dire ça. Voilà. Donc c'est ces masques que j'en ai, je vais vous montrer. C'est un masque que j'ai fait. Alors, je cherche qu'il est au fond. Voilà, disons comme ça. J'en ai que 3 et il est en lavé. Voilà pour cette partie. Du coup, je suis écolo sur mon ordinateur. Enfin, j'essaie de réduire mon impact au maximum sur mon ordinateur. Et vous allez dire, mais comment tu fais pour être un peu plus green au collège, au lycée, quelque chose comme ça. Alors, déjà, personnellement, je fonctionne uniquement avec des classeurs. Vous voyez, donc j'ai des classeurs en toutes les matières. Ceux-là, je les ai achetés et je compte les garder pour 10 ans si c'est le plus que je peux. Alors, il y a juste quelques matières où j'en ai pas parce qu'en fait, les profs ne veulent pas. Alors, autre type d'écolo qui pourrait vous intéresser, c'est ça. Oula. Oh, mais je suis tout fou depuis tout à l'heure ou quoi? Donc. Du seconde main, second, j'ai très peu de vêtements, mais j'en ai quelques-uns. Je dois avoir trois t-shirts neufs. Là, c'est essentiellement, bon, ça c'est du seconde main en fait. Juste celle de celui qui est neuf. Ça c'est du truc de seconde main. Les polars, juste celle de celui qui est neuf, les autres c'est du seconde main. Ça, et le jogging c'est neuf, par contre, j'ai du mal à trouver. Seconde main, t-shirt, tous les shorts là c'est du seconde main. Bon bref, j'ai beaucoup de seconde main. Ici c'est ça faire du bricolage jeune, donc c'est que des trucs que je mets plus envie, donc aussi du seconde main. Même à une barre, c'est aussi de la seconde main. Pantalon, j'ai majoritairement du seconde main, j'en ai quelques, je crois que j'en ai 3 ou 4 teufs. Et pour les manteaux, du coup, donc ça c'est seconde main, ah non, c'est neuf. Seconde main, il défonce, je vais faire 3 mètres, regardez bien. Oui, enfin. Seconde main, donc là c'est que j'en ai 49. Petite caméra qui tombe. Là, je pense que l'endroit où j'ai moins de seconde main, c'est au niveau, du coup, des chaussettes. C'est très, très, très. Très compliqué d'avoir du seconde main avec les chaussettes. Voilà.
Écoutez, voilà, j'ai un peu le tour. Après, on a la salle de bain, mais j'ai déjà parlé de mes éco-habitudes dans la salle de bain, donc avec le serment solide, je vous mets la vidéo dans le petit i. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à demain pour agir ensemble en faveur d'un monde meilleur. Salut. We wish you a